collectifs, conférences pour la presse, plusieurs organisations étudiantes, plusieurs organisations syndicales, plusieurs organisations populaires pour que ça baille aujourd'hui. Hein. C'est d'abord pour nous dénoncer dictature, criminel Boudi, Jovenel, avec toute équipe PHK, Vétabila, avec complicité bourgeoisie nationale, avec mafia internationale là. L'ONU, Américain, OEA et l'Atrier, pour groupe et l'Atrier. Pour nous dire, par rapport à danger, question, dictature ça représente pour le pays, il faut que tout le monde le mette en paix. Pour nous, côté carré, régime c'est là, projet c'est là. Nous avons dit pour tout le monde que 7 février 86, nous avons le mettre en paix contre dictature. Elle était jurée. Que plus jamais le pays n'a pas gagné dictature établie. C'est ça, ça. Et nous-mêmes, en dans diverses organisations qui ont lancé un mouvement qui va le faire là-haut, nous pensons que c'est important pour que tout le monde lève campé comme un seul homme, comme une seule femme, pour nous arriver à bousculer le régime criminel PHTK, Jovenel et Atabila. Deuxième objectif commerce pour la presse là, c'est pour nous capables d'annoncer trois grosses journées de mobilisation, trois journées de résistance, vendredi 19, dimanche 21, lundi 22. Pour dans tout le pays, pour toute population, toute organisation, dans tout secteur, tout citoyen, les mécampés, pour nous dire non, nous pas d'accord avec question dictatique, mes amis là, non, nous pas d'accord pour que dans le pays, nous avons un régime criminel qui a blessé le peuple là. Nous ne sommes pas d'accord pour que les pays livrés dans les mains des criminels, mandat fini, mais qui a fait jeter coquin, qui voulait prolonger le mandat pour que ces blessés le peuple là, des voleurs, des corruptions dans le pays. Dans ce sens, de tout le monde, gagner trois journées, bon, mobilisation française, trois journées de résistance, 19, 21 et 22, et d'attendre tous les médecins, agronomes, professeurs, étudiants, élèves, petits marchands, mécaniciens, tout le monde en général qui va d'accord. C'est qu'en fait là, nous avons rendez-vous sur le béton pendant 3 jours ici là, 19 février, 21 février, 22 février. Et là, si nous ne pouvons pas lever le campé, j'ai la fait là, nous tapons, irresponsable. Et les ça, nous sommes complices. Jovenel comme criminel, comme population en montant à clair, que lui pas d'accord avec ça. Et nous, 10 février, 12 février, 14 février, tu as gagné gros marche dans le pays, dans le Port-au-Prince en particulier. Et tu as une méga marche dimanche. Et nous avons dit, l'organisation de Mounio, à toute notre organisation, qui a lancé marche 14 là, et que tout tes collaborateurs pour faire. Nous attendons sous le béton vendredi 19, dimanche 21, lundi 22. Parce que ce n'est pas seulement faire une méga manifestation campée, c'est rentrer dans construire un calendrier de mobilisation qui vous permet que nous construisons force, que nous avons un record. Mais quand nous sommes nous libérons le pays à rentrer dans l'autre ère pour que nous avons le souffle dans le pays. Donc, nous disons que dans la première nouvelle, il faut gagner solidarité nationale et internationale du fait pour nous arriver à sortir de côté là. Dans le cadre de solidarité internationale, là, donc il faut que tous les acteurs concertent, renforcent la concertation, travaillent ensemble, nous connaissons les épaules pour nous arriver, pour nous faire force, pour nous bousculer les régimes là. Et les ça, pas gagner activité parallèle qu'a fait. La France, c'est l'activité et n'a pas gagné, n'a dit résultat qu'il a cherché. Donc, nous disons, on le fait encore, organisation de la Mounio, toute organisation qui a participé dans la marche 14 là, ce n'est pas une marche seulement pour faire, c'est pour continuer à participer dans toute l'activité qu'a fait en deux pays, pour nous libérer le pays de régime dictatorial, de régime criminel, assassin, PHTK, qui est Jovenel Moïse. Vous voulez la poursuivre avec là, dans tout le pays. On a fini pour dire que, je veux dire, lutte peuple haïtien, les gagnants,
Ils bénéficient d'un gros coq de chaîne de solidarité à l'échelle mondiale. Et ça a fait, grâce à travail, j'ai effort qui fait par des ensembles d'organisations, de vous COBIT. COBIT est lancé le 28 août dernier. Il y a un appel dans le jardin Kiskeya, il y a un appel à la solidarité internationale. Le 28 novembre, nous t'envoyons appel si là, accompagné de le texte qui est pour titre, comprendre la fabrication de la misère et la détresse du peuple haïtien et la nécessité d'une solidarité active, internationale active. Et texte a gagné 8 pages qui t'a accompagné appel là, en anglais, en espagnol, en portugais, en français et en créole. Au fait, parce que ce texte qui est dans plusieurs langues, ça veut dire que ce texte que tout le monde a gagné pour lire, et le texte qui nous a écrit, comprendre la fabrication de la misère, la détresse du peuple haïtien, la nécessité d'une solidarité internationale active là, d'expliquer ce qui a passé là dans le pays. La crise qu'il a, qui c'est la cause de, qui complicité et mafia internationale là, qui complicité puissance, assez puissance esclavagiste. Qui je vous dis à tous les puissances impérialistes, qui ça vient comme complicité en de crise qu'a fait là, qui là, qui ça qui complicité de avec criminels qui n'ont pour pouvoir qu'a fait peuple là, et qui ça y a pris la nous, qui est dans les comptes historiques qu'a fait nous, parce que Haïti, qui c'est moment de liberté, c'est cassé chez l'esclavage, et toute puissance, assez puissance colonialiste, esclavagiste, qui je vous dis à toutes les puissances impérialistes, après mettre ensemble pour tout le pays. Le sens ça, yo grâce à texte là, gagné yo large d'adi et information qui diffusée sur ce qui a passé là et en pile et militant, en pile intellectuel, en pile universitaire, en pile syndicaliste, en pile organisation de Bouaboun à l'échelle mondiale au courant de ce qui a passé là. Et suite à appel là, le 28 janvier dernier, nous avons une conférence internationale virtuelle sous crise pays d'Haïti avec cette nécessité pour que nous ayons une véritable solidarité internationale qui établit, qui renforce pour être sorti côté de là. Et nous avons des retours. Nous avons un pile d'organisation à l'échelle mondiale, un pile prix Nobel de la paix, un pile organisation de Waboun, un pile universitaire, un pile intellectuel, un pile artiste qui je veux dire, a protégé. Yo prend des positions, nous avons position CEPAL pour nous avons position plusieurs organisations dans divers pays plans. Et nous-mêmes, je nous dis, gagné trois universités qui sont plus gros aux États-Unis et faculté de droit dans trois et grandes universités de prend position pour vous dire que Jovenel Moïse, c'est un criminel, soit assassin, et qui est Philippe Mandel. Et maintenant, qu'on a cherché par route détournée pour arriver à Kébé, peuple là, dans la classe, dans la dictature, et qu'on s'y est ce peuple là. Nous gagnons une conférence des religieux, religieuses, Canada, qui écrit Trudeau pour dire suspend Corée, régime criminel qu'il a, et pour une proposition claire contre ce qui a passé là en Haïti. Qui donc, ça veut dire que je le dis, grâce à l'information qui fait circuler, avec appel à la solidarité nationale et texte là, qu'à sa conférence qui fait 28 et j'ai mis des liens, gagné la diffusion d'informations sur sa capacité d'Haïti, qui fait que tout le monde qui va connaître qui est sa capacité là, je dis à la couronne et à protocole. Dans ce sens, la vie de tout le monde en général, nous devons construire solidarité et repenser solidarité nationale là. Et pour nous demander que tout intellectuel, tout pays, toute organisation qui est déjà impliquée dans la solidarité active, là, pour continuer jusqu'à ce que nous arrivions rapidement dans notre record, mettre code pour Jovenel et permettre que le pays a le souffle. Nous avons fini pour dire que samedi, a bien enterrement Romario. Romario, c'est un journaliste stagiaire là, qui a été battu, il a eu sang et finalement, Libouri, il a fait finir le samedi prochain. Nous mettons toute population en net pour le protocoler, pour la solidarité, il faut ça. Et nous gagnons, nous voyons tout, c'est parti nous. Parents, camarades, et Ronald Dufrédé, chauffeur moto ça, que bandit Piacheka, boulet à tout moto, dimanche 14 là. Et il a dit tout le monde,
pour que ça aussi se passe dans le pays, nous devons, dans tout le pays, les récupérer. Pour nous mettre code de coup pour HTK, dans le coup Jovenel, joute à Génor, tout assassin pour HTK, pour payer carrément nous souffre. Donc, dans ce sens, nous disons tout le monde, c'est la mobilisation en permanence. Si vous êtes ça, nous apprenons une fois encore, toute organisation de la Bounio, organisation qui était participée dans la marche 14 janvier, pour continuer et soumettre au le 19, le 21, le 22, pour nous attendre pour nous arriver à bousculer le résultat. Vous couvrez la superbe conférence à la barre de l'école normale supérieure. Et la presse nous remercie tout parce que toujours accompagné, masse exploitée, dans le moment où il a revendiqué. Moulegaf, c'est Gramsci, c'est Janine, Combit, le Sampa, Koepa et la Trier. Mais ce sont ensemble organisations progressistes, organisations syndicales et organisations populaires qui mettent ensemble pour la conférence. Pour nous non seulement dénoncer la dictature, mais tout pour nous montrer comment on continue à mobiliser pour nous combattre. Jovenel Moïse, comme ancien président de l'équipe qui est en dictature et à battre. Nous dit, dictature, nous-mêmes, qui sont dans Monégasque, dans le quartier populaire, nous comprenons. Ce dictature féroce, un dictature bourgeois, qui portait des idoles, qui chaillait des idoles, démocratie bourgeoise. Dans la démocratie bourgeoise, nous connaissons clair coup de l'eau qui s'alpotait. Dans la démocratie bourgeoise, nous jouons 60 de privatisation, d'avantages sociaux, nous-mêmes comme monde, nous-mêmes comme peuple, nous avons jouons et bien nous privons de nous. Donc, accès à l'eau potable, accès à l'éducation, le droit au logement, le droit à la nourriture, le droit à l'éducation, le droit pour jouer une route, et bien nous privons de nous. Ça, c'est la première phase. En dedans, démocratie bourgeoise, qui est le premier aspect, qui soit sinon dictature bourgeoise. Et deuxième phase là, c'est la fascisation de l'État. Côté l'État fait exécution, persécution politique, intimidation, répression. Côté nous-mêmes comme militants, qui ont une position claire contre un système pourri senti, un système criminel, un système vampire, pour ne pas avoir de résultat, nous n'avons pas besoin. Ils veulent tuer nous. Ils ont persécuté nous. Ils ont fait nous peur. Et toute militaire révolutionnaire, nous avons développé peur. Ils ont fait paix à paix. Parce que nous avons besoin de paix. Petite marque d'un pas de paix. Parce que nous avons besoin de paix. Qui ont fait grand monde de nous. Et pour être ça, nous disons que comment ce président qui fait nous en prison. Eh bien, nous tenons fascistes de l'État dans la démocratie bourgeoise. Qui sont dans la dictature bourgeoise. Quand on a pendant la manifestation, ils ont assassiné camarade frère Nuno Solino dans le Front National de l'IDA. Quand on a fusillé, ils ont boulé dans le Delma 95. Et bien nous disons, nous devons comprendre nous dans la démocratie bourgeoise. Nous devons comprendre nous dans la dictature bourgeoise. Ça va faire nous faire battre. Ça va faire nous perdre. Parce que Jovenel Moïse, comme criminel, comme équipé, impérialiste pour Pierre Sipotel, OEA. Comme groupe BINU. Jovenel Von, toute richesse pays, par bourgeois, par impérialisme pays. Donc, on monte un dit à peine, côté Jovenel Moïse, 8000 hectares de terre, dans trois départements, que pays est à produire manger. Agriculture paysanne, pendant que Jovenel a parlé de agriculture, elle a parlé, mais nous avons une action, et des bagages différents. Mais c'est que les agriculture paysanne, la baille, compagnie multinationale, yote, la balle a perdu pendant que vous avez exclu les paysans. Vous avez mis les paysans dehors pendant que les bourgeois la ville plus riche. Et ça, la démocratie bourgeois fait, oui. Il fait que les riches sont plus riches. Les gens qui sont pauvres sont plus pauvres. Pendant que vous avez pris les trivias pour Coca-Cola, pendant nous-mêmes, ils crassent l'agriculture. Nous. Et bien, c'est la démocratie bourgeois. Et ça, nous ne disons pas d'accord à la démocratie bourgeoise, nous avons besoin de démocratie populaire, participative. Pour toutes les choses, nous pouvons fouler le manque d'hommes, non. Et nous continuons à fouler le manque d'hommes, non. Pour nous dire non à la dictature féroce, vive la démocratie populaire participative, vive la transition populaire qui pourra jeter base pour l'autre État,
pour l'autre société, côté de ça, nous-mêmes qui sommes nous, nous sommes capables de vivre tant que nous, tout le vrai. Parce que sous le régime PHTK, tout haïtien a vivre, tout mourir, si tout nous-mêmes nous sommes exploités. Déjà, il massacre nous. Jovenel Moïse, comme chef massacré, il fait massacre d'État à la Saline, massacre d'État à Tokyo, massacre d'État à Gravine, Fonds National. Eh bien, c'est la démocratie que je vois. C'est kidnapping d'État, côté kidnapper une petite demoiselle là, tout le monde est contre ça, là. Non seulement kidnapper, il a tué elle, il a sacrifié elle. Eh bien, nous dit, nous ne sommes pas d'accord avec le dictateur qui a kidnappé nous, qui a massacré nous, qui a fusillé nous. Eh bien, qui prive nous de tout droit, la liberté d'expression, droit pour nous parler, droit pour nous revendiquer, pour nous ne pas qu'à manger. Et nous, c'est nous devons vivre. Eh bien, nous, à l'état ça, sur le terrain petit populaire, on est un petit peuple, Jovenel Moïse, pas dirigé pour peuple haïtien, c'est pour les États-Unis d'Amérique, le Canada, la France. Eh bien, si on reste avec, si on tue, nous dit, vendredi n'a plein la ria, dimanche n'a plein la ria, lundi n'a plein la ria, et nous continuons à prendre la ria, jusqu'à ce qu'il combat. Et à battre Jovenel comme un si président criminel pour nous donner l'état populaire, en transition populaire. Et nous dit toute population ouvrière, si machin, si pays de santé, si nous prenons la RIA prend nous. Parce que Jovenel Moïse fait 5 masses exploitées autour de 10 vœux préférés, c'est lui qui veut chaque jour. On combat lui, on abat lui pour nous donner transition populaire qui va le jeter mal.